Salut à tous, c'est Aline. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle expérience. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience, un volcan. Une expérience géante. Donc là, nous avons du coca, light, un ballon. Nous allons remplir le ballon de coca et vous allez voir que l'expérience va être magnifique. Nous avons du bicarbonate de soude et des mentos. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais ouvrir le coca. Nous remettons du vinaigre. Pas beaucoup de vinaigre. C'est parti, nous avons ici du bicarbonate de soude. Coca Light, comme vous pouvez voir. Faut voir qu'est-ce que ça fait. Je vais montrer aux gens. Ça fait une... Maintenant, nous allons faire sans le ballon, mais nous allons ajouter deux boissons gazeuses. Donc j'ai pris du Sprite et nous avons encore du Coca à ma gauche. Donc c'est parti. Nous remplissons Sprite. C'est parti. Nous rajoutons maintenant un autre ingrédient qu'on n'a pas rajouté, du liquide de vaisselle. Nous rajoutons de l'alcool au max. Du coup, on commence la deuxième expérience. Comme je l'ai dit, dans ce récipient, il y a du coca, du Sprite, du liquide vaisselle et de l'alcool blanc. C'est parti, du vinaigre blanc, je veux dire. Êtes-vous prêts? Parce que cette expérience, elle va être chaude! On va enlever le ballon. Et voilà. Voilà pour la deuxième expérience avec une bouteille d'eau vide, du coca, du bicarbonate de soude, du vinaigre et des mentos. Donc c'est parti. Pour commencer, nous allons prendre du coca, l'ouvrir délicatement et verser. Du colorant. On tourne max le colorant, mais tout max. Et maintenant, l'expérience va se dérouler. Nous mettons un peu de vinaigre. Hop, c'est parti. L'expérience se déroule tout de suite. Nous allons mettre le ballon, vous le voyez bien. Hop. Vous pouvez voir que ça monte. C'est gonflé. Donc pour cette expérience, il faut une bouteille vide, du déodorant, un briquet. Donc c'est parti. Donc je demande au caméraman de s'éloigner un petit peu car nous allons jouer avec le feu. Donc là, remplis un max.
Et voilà l'expérience. Vous pouvez voir. Et ça fait un mini lance-flamme.